Et imaginez si tout le monde avait cette faculté. Nous passerions de 6 milliards d'hommes à plusieurs centaines de milliards d'êtres vivants, à pouvoir communiquer, échanger, vivre. Frédéric Chesneau fait partie de ces hommes ayant développé des aptitudes linguistiques hors normes. Il parle le langage des ours. Je parle l'ours fatalement, ouais. Bah oui, ouais. Ou l'ours parle moi, il parle le moi, mais on se parle, ça c'est évident. On a une communication, on a tout un système bien à nous. Alors est-ce que c'est des ultrasons, des infrasons? Je suis pas un scientifique, j'en sais rien. Mais je sais très très bien que certaines fréquences dans les grognements vont induire certaines choses. Si je vais dans les aigus, elle va se lever. Si je vais dans les graves, elle se rassure. Elle revient au contact. Il y a vraiment tout un petit langage qu'on a établi ensemble, comme ça, qu'on connaît. Au moindre regard, au moindre geste, je sais ce qui va se passer. Je peux induire des comportements chez elle, elle peut en induire chez moi. On se connaît super. Je dois être un ours avec une carte d'identité d'humain, quoi. Donc je fais quoi? Ben, je fais l'ours. Je vis comme un ours, je vis au milieu des ours et j'essaie de m'adapter le moins mal possible à la vie des humains. Je suis juste pas fait pour, quoi. On a tous un instinct comme ça, animal quelque part, mais on s'autorise pas à le développer, puis on l'assume pas toujours, quoi. Si tu commences à te balader comme quand j'étais petit avec une poule sous le bras, tant que c'est un gamin, c'est mignon, mais si aujourd'hui j'allais me balader dans la rue avec une poule, on me collerait direct en psychiatrie, quoi. Quoi qu'il en soit, il est bon de se servir de ce que la nature nous a prodigué. Et ensuite, il faut étudier, creuser, pour mettre en avant cette différence, ce don, et qui sait, faire avancer l'humanité.